Dans tous mes films, le dialogue est écrit. Je n'improvise pas, je n'aime pas improviser. Par contre, j'adore écrire. Donc, j'adore quand les acteurs disent à peu près ce que j'ai écrit. Et le fait de tourner avec des acteurs comiques, bon, ce n'est pas une découverte. Les acteurs comiques sont souvent les plus grands acteurs dramatiques. On connaît dans l'histoire du cinéma des cas célèbres d'acteurs très drôles qui ont fait des rôles très émouvants. Les grands acteurs sont les deux. Charlie Chaplin, il pouvait faire les deux. Il pouvait être drôle et triste. Il pouvait faire pleurer, il pouvait faire rire. Parfois dans le même plan. Donc, en Italie, je crois qu'il y a eu des cas célèbres, ainsi que Umberto Sordi était très drôle, et puis il pouvait aussi être très violent, faire peur et faire pleurer. Et Mastroianni aussi, et tous les grands acteurs. Toto aussi, même. Tout à fait honnêtement, moi je n'ai pas de théorie là-dessus, sur l'humour, est-ce qu'il faut employer l'humour pour parler des choses. Je pense qu'on fait selon sa géographie. Moi je suis un auteur, un cinéaste français, donc j'ai un humour français. Si j'étais suédois, je raconterais les choses différemment. C'est tout aussi simple que ça. On peut parler de la mort sans forcément pleurer tout de suite. C'était une des grandes forces des gens comme Molière qui parlaient de tout en faisant rire les gens. Les projets, évidemment, j'en ai. Mais bon, il est un petit peu tôt pour en parler. Je peux toujours annoncer des choses, mais j'aime pas trop annoncer les projets parce que comme j'en change fréquemment, après ça fait de la peine aux gens qui ont lu le projet et qui ne sont plus dedans. Donc je suis prudent. Mais je pense que je vais faire un autre film, oui. Mais qui sera le contraire de celui-là, c'est-à-dire un film qui aura pour seul objectif de faire rigoler les gens. Et moi, le premier. Enfin, il me semble, je ne vais pas faire un deuxième film aussi émouvant que celui-là. J'ai épuisé mes stocks d'émotions. Là. Mais enfin, on ne sait jamais, parce que l'émotion, elle est cachée partout, elle peut surgir. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis au théâtre, parce que je suis en train de préparer une pièce, de mettre en scène une pièce que j'ai écrite, et qu'on va jouer dans 8 jours, là, à Paris. Donc j'ai très peur, beaucoup plus peur que pour le cinéma. Et puis ensuite, voilà, après je vais prendre un tout petit peu de vacances, disons 2 jours. Et puis je vais me retrouver tout seul devant mon papier blanc, avec mes stylos, mes feutres. S'il m'en reste, parce que ma petite fille me les prend tous, enfin ma fille. Et j'essaierai d'écrire quelque chose qui vient très naturellement sous la plume. Parce qu'en fait, moi j'écris des histoires avec la première réplique, ou la première phrase. Enfin, je fais partie de ces gens-là. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais écrire. Donc, parce que si je sais à l'avance, je m'ennuie. Donc je vais regarder la télévision ou je sors dans la rue. Mais j'ai besoin d'être devant un mystère, devant des choses que je ne comprends pas. Et là, ça m'intéresse d'écrire. Et j'écris pour comprendre. C'est d'ailleurs un des ressorts du comique, hein. Souvent on se moque des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas des choses très simples. Qu'est-ce que c'est qu'une femme, par exemple? Des choses comme ça. Là, c'est qu'est-ce que c'est que la mort, dans ce film-là? Bon. Tiens, elle est là, le cancer, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est quand même un ressort de comédie, de théâtre, presque. Après, bon, ça devient autre chose, mais au début, c'est quand même... J'avais d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai pensé que si je n'arrivais pas à faire le film, je le ferais au théâtre. Je n'aurais pu le faire au théâtre. Alors il y aurait eu une porte, tout simplement, quelqu'un qui sonne, et derrière, il y aurait eu le cancer, qui aurait dit la même chose. Exactement. Bon, là, l'histoire aurait été différente, mais pas très différente.